Nous partons ce matin pour le campement Weiyu, à quelques heures de pirogue à moteur, en amont de la rivière Palumeux, dans l'Amazonie profonde du Suriname. Le Suriname est un petit pays situé à l'ouest de la Guyane française et au nord du Brésil. Nous voyageons avec nos guides amérindiens de la tribu des Wayana. Nous resterons plusieurs jours dans leur campement de chasse et de pêche. Au Suriname, les Indiens Wayana ont encore un mode de vie traditionnel et se déplacent souvent en famille pour rejoindre leurs abatis, qui sont des zones défrichées pour la culture, ou alors leur campement de chasse et pêche. Nous sommes au mois d'octobre, c'est la fin de la période sèche. Le niveau des rivières est généralement bas, ce qui complique le passage des rapides. Mais les pêches sont bonnes en cette saison. Nous arrivons à Weiyu Camp. Nous déchargeons les vivres, le matériel de campement et le matériel scientifique. Tout le monde participe. Nous installons le camp sous un soleil de plomb. Nous logerons dans un petit carbet traditionnel fait d'un toit de feuilles de palmier. Monter les hamacs et les moustiquaires est une opération parfois délicate que l'on fait dans la bonne humeur. Nous sommes au bord de la rivière Palumeux, au Suriname, l'un des principaux affluents de la rivière Tapanahoni, qui lui se jette dans le Maroni, qui est un des grands fleuves de la région des Guyanes. Cette région des Guyanes est constituée du Suriname, de la Guyane française et du Guyana. Cette région représente l'un des principaux centres d'endémisme en Amérique du Sud, en Amérique tropicale. C'est une région très riche en espèces végétales et en espèces animales, dont une grande partie ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. On explique ce niveau d'endémicité par une isolation géographique assez marquée de cette région des Guyanes par rapport au système de l'Amazone et au système de l'Orénoque. Cette isolation géographique est constituée par une chaîne de montagnes, le bouclier guyanais, qui sépare donc géographiquement et principalement les bassins, les fleuves, les systèmes hydrologiques de la région des Guyanes par rapport à l'Amazone et à l'Orénoque. Nous sommes ici pour effectuer des échantillonnages de poissons à deux fins. L'une, c'est connaître la diversité des poissons qui existent dans ce centre d'endémisme. L'autre est de mener des études génétiques sur certains groupes sélectionnés où l'on compare les espèces et les populations qui existent dans les différents bassins de la région des Guyanes et également avec les bassins qui l'entourent, c'est-à-dire l'Amazone et l'Orénoque. Notre première nuit à Weiyu Camp se déroule sans surprise, si ce n'est quelques ronflements humains. Nos guides ont posé des filets de pêche la veille et sont partis très tôt ce matin pour les relever. Nous nous organisons pour travailler sur les poissons qu'ils ramènent dans leurs filets. Le démaillage des poissons est fait par des mains expertes. Ici, un poisson-chat du genre Doras. We have a big one. Yes. Un caracidé du genre Mileus, un prochilodus et un poisson-chat du genre Hypostomus,
qui essayent de s'évader. Notre équipe scientifique est composée du docteur Yann Moll, spécialiste de l'écologie des poissons à l'université de Paramaribo au Suriname, de son assistant Kenneth Wantong Yu, un jeune Surinamien d'origine chinoise et malaise, de Raphaël Covin, doctorant et assistant de recherche au Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève, et de moi-même, Juan Montoya, directeur de recherche à l'Université de Genève. Nous identifions les poissons sur la base de leurs caractéristiques morphologiques et de couleur. La plupart des poissons pêchés sont préparés par les Amérindiens pour être consommés le soir même. Une autre partie des poissons est fumée pour être consommée de retour au village. L'organisation de notre expédition a débuté plusieurs mois auparavant à l'Université de Genève. Le matériel pour effectuer les mesures de terrain est vérifié. Le niveau des solutions est complété. Ah merde. Les tubes à échantillons sont remplis d'alcool éthylique pour préserver l'ADN contenu dans les tissus prélevés. Cet ADN servira à effectuer par la suite nos études génétiques sur les poissons. Au Muséum d'histoire naturelle de Genève, nous vérifions et réparons notre matériel de pêche. Tout est prêt pour le grand départ. Embarquement pour Paramaribo via Amsterdam, avec plusieurs dizaines de kilos de surpoids de bagages. Chaque instant est mis à profit pour l'accomplissement de notre expédition. Les étiquettes qui serviront à reconnaître les poissons échantillonnés sont préparées minutieusement. Paramaribo, la capitale du Suriname. Nous retrouvons notre ami et collègue le docteur Yann Moll, avec qui nous discutons des derniers détails de notre expédition à l'intérieur du pays, dans le haut bassin du fleuve Maroni. Yes.
I think we have to make a country. Mais qu'est-ce que fait l'homme? Mon pote de gagne, quoi? Ah, tu gagnes? Ouais. Not good, Ali Ali? Yeah, Ali Ali. Can we cut a piece? Come on. Yeah.
Ça, c'est la plante mère du ali-ali, la liane avec laquelle ils font les nivrés, les pêches traditionnelles aux toxiques pour les poissons. Et ça, c'est une petite tige qui pousse de cette plante mère, avec cette feuille caractéristique et aussi une odeur caractéristique. Ça ressemble à une odeur d'épinard. Alors avec cette plante, on va faire une livrée traditionnelle dans une petite crique près d'ici, avec les Amérindiens. Il y a sans fil, mais pas sans fil, on connaît tous les deux. Toi, tu as. Stabilisé. La température 24,6. Mais il faut garder tout pour l'instant. Merde.
I saw some over there. Hey, you want the spaghetti? The pepperonis? No, the spaghetti. Oh, yeah, okay. We're going to lift the other net, walking, and then we go. Let's go. Beautiful. Yeah. Ini bantu tak mama mati. Baik banyak tu. Baik bangun baik. Would you like some papaya? No. This really a comedy. This is gonna be a comedy. Yeah, I really know. The first one was better. The funny scientist in the jungle. Everywhere, no, no. No working, only fun. And we pay these guys for that? Oh no, no more project for the guy. When we find a big fish we eat, yes. You ask everybody who want to eat fish, they say no. Only you eat, yeah. If someone say yes, you say no, I don't give you. Please, Pierre, over.
très bien. Il y en a du Peugeot, mais l'autre il y a du Peugeot. Il y en a qui sont sur le Peugeot, il y a du Peugeot. Then the yes, but coordination, no depth. Oh,
On commence par extraire l'ADN des échantillons de tissu. Ça, c'est l'échantillon SU08-280. Alors, un tout petit morceau de tissu suffit. L'échantillon est mis à sécher pendant une quinzaine de minutes pour évaporer l'éthanol. Quand l'échantillon est sec, on ajoute un tampon d'extraction qui va permettre de libérer l'ADN. Nous sommes à l'université Anton de Kom de Paramaribo. Nous préparons le matériel pour l'exportation du poisson au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Le poisson a été donc fixé au formol à 4% pendant plusieurs jours.
Maintenant, nous l'avons rincé pendant à peu près 24 heures à l'eau claire pour dégager, dégorger un petit peu ces formoles. Maintenant, nous emballons ces poissons dans de la gaze pour les protéger, en particulier les poissons qui possèdent des écailles, pour que ces écailles ne s'abîment pas. Ces petits paquets seront ensuite aspergés d'éthanol et mis en plastique, et enfin disposés dans des bidons qui partiront avec nous comme bagage à main, plutôt comme bagage en soute, vers le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Voici un piranha, une espèce de piranha, Serrasalmus humeralis. Une deuxième espèce de piranha, Serrasalmus rombeus. Nous sommes de retour au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève, avec nos 45 kg de poissons que nous avons exportés du Suriname, dans ces deux touques. Et ces poissons, nous allons maintenant les déballer. Les poissons vont être regroupés par espèce et par localité et seront disposés dans des bocaux qui, eux, seront remplis par la suite avec de l'isopropanol pour les préserver et les disposer dans les collections une fois qu'ils auront été enregistrés et puis identifiés jusqu'à l'espèce si possible.